une fois que l'écran s'allume, vous nous voyez encore, en noir et blanc, oui. Mais vous nous voyez. Donc vous pouvez attraper vos manettes en même temps, et je vais vous expliquer comment fonctionnent les manettes. Il est un peu trop grand. Alors sur ces casques virtuels, on a une grosse base de jeux qui fonctionnent sous forme d'application. On a des jeux d'aventure, des jeux de mémoire, des jeux de mouvement. On a aussi des jeux à sensations fortes, comme le roller coaster par exemple. Et on a une grosse partie aussi découverte avec des applications qui sont développées exprès pour ces casques, comme YouTube VR. C'est une application qui permet de visiter des lieux à 360 degrés. Parmi d'autres applications aussi qui permettent ce genre de visite. Et ça permet aussi, notamment là, en ces périodes de Covid et de confinement, de sortir les jeunes et les moins jeunes aussi de leur quotidien et de voir un peu autre chose. Johan, qui vous voyez normalement très régulièrement au collège. Je vais vous présenter quand même. Donc Johan, je suis médiateur scolaire en section salle éclatée. Donc je travaille plus précisément à la maison de quartier Centre qui est juste derrière la salle de sport André Blondet. Et vous voyez très régulièrement. Moi je suis sur différents sites de presse. Alors, qui est vérifié sur les différents sites de presse, c'est la majorité. On va lui mettre un petit peu d'humour et un peu de dynamisme dans le quiz et juste de dire oh, effectivement, vous allez avoir une minute à chaque fois pour répondre à la question. Vous allez voir, c'est très simple. Elle va s'afficher ici, la question, elle va aussi s'afficher sur votre tablette. Ouais, c'est ça. C'est le bon. C'est comme le petit. Il y a un peu de temps.
Donc le courant passe dans l'ordinateur, arrive là, passe dans la carte, passe à travers la carte jusque là. Donc là il y a du courant. Ici, de l'autre côté, le courant arrive, il passe jusque là, ça c'est séparé, il passe jusque là. Entre là et là, le courant arrive là, le courant arrive là. Si je touche, donc il y a bien du courant qui passe quand on touche, d'accord? Là c'est lui, voilà. Alors, celui-là, faites tout ça, allez-y, jusqu'au bout. Attends, on va lâcher ça, prends ça. Il va arriver à prendre du jeu, ça va marcher. Tiens, tu peux mettre le câble à l'intérieur. Alors, jusqu'au bout, et hop, tu attrapes, là-bas. Voilà. Tu attrapes ça. Vas-y, ouais, hop. Ouais. Et s'il y en a qui lâchent, lâchez vos mains, ça marche plus. Retouchez vos mains. Oui, si on a un seul qui lâche, ça marche. S'il y en a un seul qui lâche, ça marche plus. D'ailleurs, le but du jeu, c'est que dans 3-4 minutes, on se met sur la ligne de départ. Et on fait une course pour arriver là-bas en montant toutes les chaises. D'accord ? Avec qui ? Ce sera à vous de choisir le vote qui vous semble le plus approprié. Ok ? Allez, je vous laisse. Et avant, c'est imaginer les obstacles plus de la place. 3, 2, 1, partez ! Allez, mettez-moi derrière, il va rentrer. C'est facile, d'accord ? Tu dois être sévité, tu dois être doublé. Alors, je vais vous montrer, voilà, tac, paf, c'est parti, je touche, voilà, 4 fois, toute l'équipe fait 4 fois ça, toute l'équipe, 1, 2, 3, 4, hop. Allez! 9, 18, 17, 17.